Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Playroom, sur l'épisode de Starbound V5, Glad Giraffe. Donc chers amis, je vous avais promis la dernière fois que nous irions faire la mission des Florans. Je vais donc préparer en conséquence, j'ai préparé le lance-flamme. Voilà, c'est dit. Bon, alors, il me semble qu'elle avait changé déjà la dernière mise à jour. On va voir si elle a rechangé ou pas du tout, si elle est restée telle qu'elle était ou si elle avait été appréciée ou non. Du coup, par les joueurs. Alors. Donc, une mission, c'est toujours plus loin à charger, forcément, chers amis. Alors. Alors. Bonjour. Voilà, j'avais ça aussi, je m'en rappelle maintenant. Yo. Je peux pas le toucher. Comment ça, je devrais me dépêcher? Une corde. Ok. Qu'il y a par là. D'accord. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il y a par là. Je serais curieux pourtant. Oh. Hey, on apprend des choses, chers amis. Le jeu m'a fourni une corde, mais moi j'ai mon grappin. Hop. Voilà, excusez-moi. Bla, touché. Deuxième fois. On a été d'y crever, hein. Hop. Si j'étais moins stupide. Voilà. On a pu voir qu'il y avait un indicateur de porte. Enfin, de comment, de connexion. Alors, qu'est-ce qu'il y avait par là? Ça ouvre aussi cette porte-là, d'accord. Là, il y a un mur invisible. D'accord. Ça ne m'indique donc rien du tout. Je retente, mais vous voyez, il y a un truc, un code par là-bas. Qui fonctionne avec des choses. Ah, ça doit être les gens. Ah non, c'est eux qui allument les torches, d'accord. D'accord, d'accord. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, ça n'a pas changé. Ok. Je vois un petit trou, rien du tout. Ok, ok, ok. Salut les mecs. Je vois qu'il y a différents signes de vie dans les tunnels. Je ferai attention à ta place, je crois que c'est ce qu'il a dit. Hein. Plus ou moins. Alors, différents signes de vie. Effectivement. Ils y ont donc implémenté les nouveaux mobs du jeu. Ok, pourquoi pas. C'est bien, rien n'est laissé au hasard, entre guillemets. Hein. Hop. Ok. On va le bouquiner. Voilà. On récupère le prédateur. Yo les gars. Je fais partie des vôtres maintenant. Ok. Nombreux. Hop. Ok, j'en ai eu un. Et de deux. Ah non, toujours pas. Bon. Ok. J'avais pas vu les pics. Ah, je déteste ça. Je l'ai eu aussi. Ok. Voilà. Aïe. Là, il y avait un coffre avec une espèce de hache. Ok, pourquoi pas. On progresse, chers amis, on progresse, on progresse, on progresse. Là, c'est du poison. Y a rien dedans. Bonjour. Waouh, regarde-toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un outsider ici. Ouais, merci.
Moi, je suis Nuru. Tu parles à la plus jeune championne de la chasse de tous les temps. C'est génial que tu sois là et tout ça, mais j'espère que tu y arriveras. J'espère que tu sais ce que tu fais. Les Florans vont passer leur vie à se chasser dans ces tunnels. Beaucoup sont morts ici. Sont perdus ici. Mais maintenant, si t'es sûr, bah écoute, essaye du mieux que tu peux. Hein. Je vais essayer du mieux que je peux de t'aider. Bonne chance. Enfin, en gros, c'est ça. J'ai pas le temps de lire la fin. Oh, je suis en slip jaune devant elle. Ouh. Non, jamais avec un Floran. Est-ce que j'ai des heals supplémentaires sur moi? Est-ce que je peux pas bouffer un steak ou un truc comme ça? Je peux bouffer un steak. Et on va en rester là. J'ai pas de PQ du tout sur moi. Ah si, je le vois. Là. Hop. Ok, on y va. Commence par en haut. What? Nom de Dieu. Non. Dégagez. Il a son putain de bouclier de marche fonctionnel. Hop là. Ok. Oula, par contre, le clic droit n'était pas voulu. Dégage. Hop, parfait. Lui, il est mort ici. Et c'est d'autant mieux. Avec un crâne. Tiens, regarde celle-là. Est-ce que tu vas l'avoir vu venir? Boum. Salaud. Me dis pas que c'est comme les électroplates. Et je vais le péter ton bouclier, moi. Wouhou. Oui, bah littéralement, je l'ai pété. Dégage. Hop là. Mais c'est qu'elle me semble efficace en plus. Ah, j'aurais dû prendre la Morph Ball, chers amis. N'inquiétez pas, on fera tout ça avec les différents textes. Hein. Les textes adéquats. Hop. Regardez celui-là. Est-ce que ça passe? Oui! Je l'ai raté celui-là. Bon, attends, écoutez, prends ça. Hein. Vive la technologie! C'est sérieux là? Oh putain. Ok, des armes moisies. Pourquoi pas? On y va. Encore une arme moisie. Et rien. Oh oh. Les chasseurs dans ces tunnels semblent déterminés à faire de la compétition. Hop. Entre guillemets, donc à se battre contre moi. Raté, tu es trop mauvaise. Hop là. Le seul lance-flamme est efficace. What? Je suis stupide, je les avais oubliés. Je savais qu'ils étaient là, mais je savais pas à quel moment... Qu'est-ce qu'ils activaient en fait? Oh. Salut l'ami. Arrière. Alors, t'as eu chaud aux fesses? Alors, fais noir par là. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ok. T'étais balèze toi. Vous avez vu les dégâts qu'il m'a mis? Oh la vache! Joli. Putain. Bien joué. Hop. Au mieux que je prenne quelque chose qui tire à longue distance. Boum. 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 Toi aussi. Archul. Touché.
Ok, qu'est-ce qu'il y a par là? Encore plus de poison. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un piège? Ce serait bien un piège. C'est marrant ça. Il n'y était pas avant. Un coffre. Le pantalon. Hop, parfait. Ok. Non, oh non, tu ne mourras pas comme ça. Hop là. Hop là. On a eu de passer sous la boule. La boule. Tête de tigre. J'aimerais passer. Merci. Hop. Donc là, c'est par là que je suis descendu. Parfait. Ok. Au final, cette énergie d'âge n'a plus aucun intérêt. Hein. Faut me prendre le rig. Enfin, le rig. Je sais pas si ça s'appelle le rig. Je me rappelle plus. Pourquoi je pense à un rig? Hop. Il y a des résidus organiques ici. Ok. C'est un piège! Oh putain. Moi qui pensais qu'il y avait quelque chose. Bah je l'ai dans le fion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette porte? Ok, c'est pas du tout ici que ça s'active. Aïe. Merci. Crac. Rien de repasser par en haut. Je sais pas si c'est possible. Hop. Est-ce qu'il y a un autre chemin par là? Ça, la véritable question. Voilà, il y avait un autre chemin. Oui, je me rappelle de celui-là, effectivement. Oh, putain. Oh. Ok, pourquoi pas. Tu m'as touché. Alors, qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Vous en doutez, hein. Hop. Voilà, et on a le chest. Il ne manque plus qu'une seule partie, le bac. Ah, ça se remplit plus autant qu'avant, c'est dommage. Il y avait des dégâts obligatoires à cet endroit-là, normalement. Ça c'était cool. Bon bah du coup on peut retourner là-bas. Ok. Bon ça se passe plutôt bien tout ça chers amis quand même. Hein. À part un mob qui a été très violent. Ce qui m'inquiète un petit peu pour le boss, je l'admets. Enfin bon j'ai la solution. Ouais je m'en doutais que j'allais m'en bouffer sur un pont ou un autre. Hop alors qu'est-ce qu'il y a par là? Hey, toi, par ici. Il y a un switch ici. Ne dis rien, d'accord. Ok, bah écoute, je dirai rien. Pas par là. Fais demi-tour. Non, jamais. Jamais je ne ferai demi-tour. Youhou. Quelque chose par là? Oh oh. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oh, des toxic topsides, d'accord, génial. Génial, génial. Je peux faire la course avec mon propre missile. Oula. Je m'en rappelais pas à cet endroit là. Oh. Aïe, aïe.
Crac, crac. Je peux pas les casser, je m'en doute un petit peu à vrai dire. Là, c'est un chemin comme un autre, là par contre, je ne sais pas ce que c'est. Oh. Peut-être mauvais. Ok. Oh, 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 oh. Boum. What? C'était complètement SM. J'aurais presque pu croire qu'il y avait un certain Christian dans la salle. Christian! Je vais le trouver le petit point. Voilà! Je t'avais dit que je le trouverais. Boum! Boum! Du coup, on a loupé des choses ici. En plus, c'était piégé, c'était cool. Aïe! Putain! Tiens, regarde! Bam! C'est con, hein! Bam! C'est con, hein! Bam! C'est con, hein! Hop, merci. Il y avait de l'eau en bas, mais j'ai peur de tomber sur des pics. Non, ça va. Hop, on progresse. Aïe. Là. Alors. Oh, encore la même graine. C'est de la mauvaise graine, de toute manière. Bon. Du coup, on refait le chemin inverse, parce qu'on peut pas débloquer la porte. Si on prend pas le chemin qui lui permet de l'utiliser. Alors, vous allez comprendre. Et celui-là on peut pas. Ah si, celui-là on peut rentrer. Blablabla, je suis à poil. Il y a des pixels là-dedans, quand même. 11 par 11, on y va pas des masses, mais... On avance pas des masses, mais... Waouh. Ah bah, écoute, si tu sais nager... C'est bête. Par contre, t'as appris la loi de la gravité, c'est chiant, hein. Alors. Voilà. Ah bah oui, vous allez être tellement mieux dans le poison, c'est sûr. Alors, ça se passe comment le... Retourne-y. Retourne-y. Voilà. Faut pas que t'es mieux mort quand même. Merde à la fin. Et ton pote là, il y retourne. Croire qu'il aime ça. Ah bah non, t'amuses pas non plus, merde. Oh mais alors toi, bouffe-toi le caillou. Putain, il s'est bouffé le caillou. Oh, hey. Pa 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 pa. Ça avait pas marché avec lance-roquette. Pa 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 pa. Oui, j'aime bien le pain. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Je peux pas faire autrement. Pain, pain, pain. C'était moisi, je suis désolé. J'ai éteint la lumière. C'est pas la lumière que je voulais éteindre. Alors, il y a là un autre coffre qui contient donc le backpack. Et voilà, nous avons l'armure complète. Mouais, mouais. Alors. Bah alors. Ah oui, lui il est balèze. Merde, Krodik. Mais par contre, il sait pas sauter des masses. J'ai rien dit. Oh oui. Dommage. Si j'avais pas eu tellement peur, je pense qu'il se serait bouffé le caillou ou qu'il se serait pas bouffé parce qu'il y a certains pièges qui ne se bouffent pas. Ce qui est bien dommage d'ailleurs.
Alors toi là, le vendu là. Boum. Regarde celle-là. Boum. Regarde celle-là. Boum. M'en fous pour les pixels. D'accord, y'a rien. Ok. Ok, et on est juste devant une grosse toile d'araignée. Putain. Je me rappelle plus du tout de ce boss, hein, chers amis. Je tiens à le dire. Hello. Ah, si, ça me dit quelque chose. Hey, regarde ça. Celui-là est bien plus gros que ceux qu'on a eu l'année dernière. Ça va être compliqué. Oh oh, ça se réveille. Prépare-toi. Oh la vache, puis il est inesquivable. Ah oui, il y a un moment où il faut attaquer. Quand il aura plus de coquilles. Ok. Aïe. Ok, un petit coup de soin, ça va lui faire du bien. Par contre, ces machins ne nous attaquent pas. Ah, est-ce que ça se passe au niveau des dégâts qu'on lui fait ou au niveau des... du nombre de coups? Allez, attaque! Hop. Allez, soigne-toi. Ah. Ça commence à puer. Parce que mes armes sont trop lentes. Ok. Vas-y, vas-y, c'est pas grave, vas-y, concentre-toi, bouge pas, hop, bouge pas, y'a pas de problème, y'a pas de lézard. Putain, je peux pas l'esquiver. Ok, ok. Ok. Hop. Ok. Il commence à être un petit peu trop balèze pour moi là. Boum. 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 Mais meurs. Ça y est. Ok. Dégage. Casse-toi, t'as raison. Hop, je teste les floranes. Je teste les traduire. Alors. Il y avait un truc là. J'ai activé un truc, j'ai marché sur un truc. Là, il y a le truc de la quête. Là, il y a un coffre. Je veux que savoir quelle porte ça ouvre en fait. Pratiquement sûr, si je fais le truc à l'envers, ça va ouvrir la porte. Ah putain. Hop. En douceur. C'est pour ça que je déteste ce truc. Bon. Je sais pas. Je sais pas ce que ça a ouvert du tout, chers amis, malheureusement. Et on ne le saura pas.
Ok. Je pense qu'on va une bonne explication avec le mec à l'autre poste. Ouais. Ok, cool. Attendez à mieux. Bon, rendons-nous à l'autre poste. Alors, on y retourne. Téléportation. Bon, gamin. C'est que t'as été un gros con, dis donc. Est-ce qu'on y va gentiment ou... Non, on y va avec le rocket sur la tête. Enfin, sur... dans les bras, on va dire. Boum. T'as de la chance d'avoir été fermé. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'autre trou du cul, là. Ah ouais, excuse-toi tant que tu veux. Merci pour le bio-implant de résistance au froid. Hop. Bio-implant, pardon. Cool, ça nous l'équipe automatiquement. C'est presque dommage, à vrai dire. Bonjour. Please get. Donc c'est pas dur, en fait, il nous demande l'objet qui est sur le truc. Et on l'a déjà en plusieurs exemplaires. Vous verrez. Hop. Moon Emblem, ça on en a pas des masses. Lui, il va me demander des fils. Du fil, j'en ai sur moi, ça tombe bien. Pour la guitare, merci. Liquid Poison, lui, il faudra qu'on en trouve. Et on n'est pas trop loin d'avoir, chers amis, notre... notre overbike, là, overboard, je sais plus comment il s'appelle ça. Oh, salut. Il faut une armure en aegisalt, en rubium ou en violium, à moi de voir, d'accord. Bah écoute, on cherchera ça. Toi, tu n'as rien de plus à me proposer, ton pote, non plus. À 9000, on peut pas en avoir une. Auto-chip. D'accord. À partir de 11000. Lui, nous aurait fallu plutôt celle-ci. Mais bon, ça, c'est pas grave. À partir de 11000 crédits, on pourrait avoir un overbike. Enfin, une overbike. Je sais pas si c'est un. Donc, on peut voir une ici. Ok. Beam to ship. Alors. Je regarde quand même. Voilà. D'accord. Ok. Ici, on a rien de plus qu'on peut crafter, il me semble, pour l'instant, si ce n'est donc les différentes... hop. Mais qu'on ne peut pas voir pour l'instant, je crois. Non, je pense que c'est pour tout à l'heure. Ok. Ok, donc de ce côté-là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Ok. Liquid Poison, j'en ai en trouvé. Le Good Book, je l'ai aussi. Donc je vais le récupérer maintenant. Il est quelque part, hein, faut juste le trouver maintenant. Le good book, je l'ai vu. Hop, j'en ai un ici. Voilà. Bah écoutez, on ira le rendre une prochaine fois, je pense. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une des nouvelles planètes, un des nouveaux systèmes. Donc on va aller maintenant, dans lequel on va aller maintenant. Donc qui sont les Frozen Stars. Hop, on a juste ici, c'est cool. Donc là, on a une Frozen World. J'aimerais envie d'aller sur un des nouveaux mondes. 2, 3. Ah, voilà. Midnight. Ça peut être cool. Et donc nous on va se laisser là pour cette vidéo. Les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu comprendre où est-ce que sont les différentes pièces de cet équipement. Encore une fois, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérouve, dont vous trouverez le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à aussi aller rejoindre le serveur Steam, le serveur Starbound pardon, qui est maintenant opérationnel. Donc vous pouvez retrouver l'adresse dans le groupe Steam, tout simplement. Je vais y arriver, chers amis. Encore une fois, merci à vous pour votre sympathie. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.